amis. Bienvenue dans la Master Stranger Leaks. Hello à tous. Hello les copains. J'espère que ça va bien ce soir. Eh bien, pour un petit vendredi, placé sous le signe de Stranger Things, comme vous avez pu l'entendre dans eh bien, cette intro, avec, et bien entendu, eh bien, je remets un peu mon... je resserre un peu mon micro. Eh bien, un hommage que j'ai envie de rendre à cette série, à cette ambiance, à cette période aussi, bien entendu, parce que je fais référence aux années 80, la série fait référence aux années 80. Et c'est juste un plaisir immense pour moi d'être avec vous ce soir pour vous proposer du contenu pédagogique en lien direct avec la série et avec les années 80. Coucou mon Dusty Poulet, c'est mon Chris Hayden. Voilà, on va s'appeler comme ça ce soir. Coucou mon poteau Manu du hangar. Coucou, comment ça va mon copain? Salut Mika, salut Don Corleone, salut Dave Gilles. Hello ma Alex de Grutola, comment est-ce que tu vas ce soir? Salut Toel, ça va mon Toel? Salut Ben James, hello Michael G, salut Jimmy H, hello Jimmy, qui dit bonsoir à tous, encore une nouvelle gratte à ce que je vois absolument pas. Voilà, je fais un pimp en direct sur cette guitare là, tu ne suis pas Jimmy H, c'est pas bien. Salut j'en ai marre, comment ça va? Je dis bonsoir aussi à Elsa, salut Elsa, comment ça va? J'ai juste un petit mot pour toi Elsa, MILF. C'est très con. Salut Dread Spiritify, Olivier Fouillard, Ludocross qui est reparti et reviendra tout à l'heure à n'en pas douter. Bienvenue à tous. Pendant que je parle, les copains, allez-y, téléchargez, s'il vous plaît, le pack qui est dans la description. Voilà, allez-y. Un lien WeTransfer pour télécharger le pack dont on va parler ce soir, les copains. il va s'agir, bien entendu, de Stranger Things, de guitare et plus particulièrement de phrasé typé années 80 avec, eh bien, quelque chose que j'ai voulu aborder avec un angle un petit peu particulier. J'ai voulu mettre en relation, eh bien, ce que j'appelle un peu la dualité de l'univers de Stranger Things. Je m'explique. Les amis, coucou Fred. Et oui, je t'ai encore emprunté ta gratte depuis hier, Fred. Coucou Pascalou, salut Arnaud Massard. Salut Didier Romanuic. Salut Boisum, Bois un coup. Bon, voilà. Bah écoute, avec plaisir. J'ai ma flotte à côté. la dualité de Stranger Things. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Sans rien spoiler. Alors là, je tiens à être précis ce soir. Les copains, il n'y aura aucun spoil. De rien du tout sur la série de ma part, bien sûr, que ce soit de la première saison à la quatrième, il n'y aura aucun spoil de ma part. Je vais juste me permettre de dire une chose, c'est que ce soir je vous propose un contenu un peu particulier dans le sens où il va être orienté plus et moins yin et yang, bien et mal, enfer et paradis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a le monde normal dans Stranger Things, le monde à l'envers. Il y a la complicité entre Mike et 11, ou Elf, ça dépend comment on l'appelle. Et il y a aussi celle entre Dustin et Steve. Eh bien, j'ai décidé ce soir, les amis, de vous proposer du contenu qui est totalement mélodique, avec toujours son harmonisation qui vient soutenir à la tierce, ou pas, selon ce qu'on va voir ensemble ce soir. Donc chaque exercice sera harmonisé pour souligner, eh bien, le côté monde à l'envers et monde normal, le côté 11 et Mike et le côté Steve et Dustin. Avec ce côté, eh bien, toujours en duo. Voilà, j'ai remarqué ça dans cette série, il y a toujours un petit peu des duos, hein, Will et sa maman, notamment dans la saison 1. Donc voilà, et puis j'avais aussi envie de rendre hommage aussi à une série qui juste défonce les copains. J'attends le 1er juillet avec énorme impatience pour découvrir les deux énormes épisodes qui nous manquent de la saison 4. Je suis un très très gros, immense fan de la série. Donc les copains, je vous souhaite une bonne master. Téléchargez le contenu qu'il y a dans la description. Il n'y a pas de mot de passe. C'est ouvert à tous aujourd'hui les copains, avec, si vous le souhaitez, eh bien, la possibilité de faire un don. Voilà,
un don avec ce flash code, les amis, ou alors le lien dans la description. Vous avez du coup un lien qui vous mène vers une page PayPal qui vous permet de me faire un petit don, soit avec votre compte PayPal, ou si vous en avez pas, et ben votre carte bancaire, tout simplement. Évidemment, c'est sécurisé, les copains, et ça permet de valoriser tout simplement et bien le travail que je vous fournis en master gratuite à peu près une fois par mois. Et je peux vous garantir que là aujourd'hui il y a du contenu, les copains, ça c'est clair et net. Si vous regardez cette master en replay, car je vais la laisser en replay, eh bien vous pouvez aussi faire un don, même si vous regardez en replay, le lien est dans la description. J'envoie un petit mail de remerciement pour chacun des dons. Voilà, même si vous le faites demain, après-demain, dans une semaine, dans 3 mois, je vous envoie un petit mail pour vous remercier de votre don, évidemment. Ça me permet de continuer à proposer ce genre de contenu gratuit et accessible à tous. Donc si vous avez la possibilité de faire un don et si vous en avez l'envie, eh bien merci infiniment, je vous remercierai en direct avec mon fidèle assistant comme d'habitude, que ce soir j'ai envie d'appeler Vecna. Voilà. Wow. Voilà, comme d'habitude il y aura Vecna ce soir, voilà, pour remercier chaque don que je remercierai en direct. Et si vous n'avez pas les moyens et si vous n'avez pas envie ou la possibilité, eh bien soyez les bienvenus quand même. On va partager ensemble eh bien un moment de guitare que j'espère et que je vous souhaite bon, les copains. Téléchargez donc le lien dans la description pendant que je coupe la musique de fond, les amis. Je tiens à préciser du coup que ce soir, le backing track n'est pas de moi. Je me suis permis de me servir d'un backing track disponible sur YouTube qui est un remix de C418. Voilà, je tiens à rendre justice là où il le faut. Et par contre, je vous ai édité un petit backing track pour tout simplement la longueur des exercices, les amis. Hello Guillaume Gilles. Ah oui, oui, comme le dit Mika, il y a du monde dans le pack à télécharger. J'ai soigné le truc parce que je suis tellement fan, les copains, de Stranger Things. J'ai pas voulu déshonorer la série tellement elle est géniale. Voilà. Je vous fais écouter, les amis, le backing track dont il est question ce soir, ainsi que sa longueur. C'est parti. Voilà les amis, voilà le backing track qui va nous servir pour jouer les licks de ce soir. Et si vous voulez les jouer dans un contexte qui soit plus long, eh bien je rends justice à C418, vous pouvez aller sur YouTube et vous jouerez tous vos licks sur la vidéo de C418, vous tapez Stranger Things, C418 Remix, les amis. Et du coup voilà, on est clairement en mode retrowave. Je me suis servi de la nappe d'arpège de Do majeur 7 comme décompte au début. Donc là on va avoir 2, 3, 4. Voilà, je vous fais réécouter. Bam. Et là voilà, le solo il commence. Ah, mais j'adore tellement. Alors sachez pour information les amis que nous sommes en tonalité de mi mineur. Voilà, donc si vous voulez vous amuser, si j'ai envie, si je puis dire, à la case 12, vous pouvez, les copains. Bienvenue même à ceux qui ne sont pas forcément fans de Stranger Things, ou ceux qui ne connaissent pas. Je vois Barnabé Lucien qui ne connaît pas, qui demande ce que c'est Stranger Things. Eh bien, c'est une série Netflix. Voilà, Barnabé qui, selon moi, a tout compris des années 80, de l'ambiance que ça comporte et surtout aussi du style musical, dans le sens où ça utilise une musique que l'on appelle synthwave ou retrowave. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai concocté, les amis ? Dans le pack, il y a des MP3 avec marqué 1, de 1 à 8, voilà, et 1 plus 2, 3 plus 4, 5 plus 6 et 7 plus 8. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les amis? Alors que les premiers dons arrivent, j'en profite avant de commencer pour remercier, eh bien, Toel. Voilà.
J'âge. Ça, si tu commences à me parler de poupe, Toël, ça va pas le faire. Merci, Toël. Wow. Merci, Olivier. C'est trop gentil, Olivier. Wow. Mister Olivier Fouillard, merci à toi ici présent. Merci, Néoloquet. Merci de ton don. Wow. Et JM en Caged. Merci, mon pote JM en Caged. Merci. Wow. Yeah, merci à toi. Et donc les copains, qu'est-ce que je vous réserve ce soir? Eh bien, comme vous le voyez dans le pack, tout ce qui a marqué de 1 à 8, eh bien, ce sont les solos qui sont réenregistrés. Quand vous voyez 1 plus 2, 3 plus 4, 5 plus 6 et 7 plus 8, ce sont ces paires de solos qui sont rejoués en harmonisation, ensemble. Ce qui fait que vous avez la possibilité de jouer l'un sur l'autre, alternativement, d'écouter les deux ou alors de rejouer ce que vous voulez avec le backing track fourni. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, coucou Shuriken 2550. Jage. Du coup, je vous fais écouter le premier et je passe les copains sur l'autre caméra. Hop, l'autre caméra, les amis. J'oriente un peu. Toc. Ma guitare, pour qu'on voit bien, vous voyez bien, vous entendez bien le son. Petite précision avant de commencer, les amis, évidemment, cette masterclass est soutenue par Savarez, qui offrira eh bien, des packs pédagogiques, mes packs pédagogiques de leur part, donc de la part de Savarez. Au fur et à mesure de la session, il y aura des packs à gagner, voilà. Et je vous demanderai votre concours pour m'envoyer une réponse sur Facebook, voilà, bien sûr. Ou alors même dans le chat, non, allez, on va prendre dans le chat et je tirerai au sort dans le chat. On va pas aller sur Facebook exprès pour ça. C'est un peu contraignant. Dans le chat, je vous demanderai d'écrire quelque chose. Et peut-être qu'il y aura des questions sur la série, je ne sais pas. Évidemment. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat pour gagner des packs pédagogiques, mes packs pédagogiques, de la part de Savarez. Alors, les copains, ah, je me suis trompé là. Alors, mon ordinateur va ralentir 2 secondes parce que j'ai ouvert un logiciel. J'attends juste qu'il s'allume pour pouvoir le supprimer. Excusez-moi, j'ai lancé Vegas. Ça arrive. Allez, conneries, dégage. Alors, je veux pas acheter ta mise à jour à 400 balles. Voilà, excusez-moi, j'avais lancé Vegas. Alors, évidemment, pour info, l'accordage est en standard, évidemment, c'est en standard. Et hop, on va écouter donc le premier solo. C'est parti. Alors vous entendez les amis qu'on est déjà en mode super mélodique et évidemment il y a toutes les tablatures qui sont fournies dans le pack pour bosser à la maison bien sûr. Le chien toujours caché derrière le QR code, eh oui. Akira? Ça va mon chien? Ça va mon doudou? Petit père. Donc, oui, donc le solo numéro 1. Merci pour son don à Guillaume Pellerin. Oups, où est-il? Merci Guillaume. Wow. Ah, il est caché par les tablatures. Bon, c'est pas grave, merci, hein. Allez, je me suis trompé sur OBS. C'est pas bien grave. Donc les amis, voilà ce solo. Eh bien, vous entendez, il est mélodique. Et là, vous avez entendu, c'est le solo numéro 1. On va le repasser.
là on a qu'à dire qu'on a Mike, si vous voulez. On a Mike. Et par contre, quand on a Mike plus 11, ça donne ça. En harmonie. Voilà, toutes les phrases que je vous propose ce soir, les amis, sont harmonisées. Et bien, comme je le dis, pour souligner la dualité dans Stranger Things, je remarque beaucoup de choses qui tournent autour de la dualité. Hopper et la maman de Will, par exemple, et Joyce. Hein, ce petit jeu amoureux, un petit peu, voilà, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans cette série, c'est la dualité. Bon, moi je ne vais pas en parler pendant trois quarts d'heure, c'était aussi un prétexte. Et bien, pour... tout simplement, bah, vous faire bosser des phrases harmonisées, hein, bien sûr. Donc la première phrase, coucou Didier. Donc là, en fait, voilà, alors on va découper les choses par morceaux. Pour info, donc, j'ai ma Kramer à 170€ que j'avais pimpé en direct avec un Miami 80. Mon Chris Hayden, ici présent, m'a offert un autocollant argenté Fuck Playback qui va super bien avec le tour en chrome. Et je sors... sur toujours mon Joyo Jackman 2 qui est vraiment qui sonne vraiment l'absolu enfer. Voilà, c'est juste l'enfer cet ampli là. Voilà. Alors du coup, cette phrase là, eh bien hop, je vais vous étaler un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, en fin de compte, on est vraiment sur quelque chose de mélodique, on n'est pas sur de la shredasse, voilà. Et on est vraiment sur quelque chose qui sonne années 80, on a tous les atours des années 80, des bends bien vibrés, des trills avec des pull-offs et des hammers, voilà. Et avec pas mal de vibrato et de notes de la gamme de mi mineur naturel, tout simplement. Alors on va peut-être expliquer un petit peu la grille de ce backing track qui est le thème principal de la série. Vous avez sûrement vu ma vidéo de lundi dernier qui vous proposait de jouer l'arpège de Do majeur 7. Je vous expliquais dans cette vidéo que du coup la grille c'était Do majeur, Mi mineur, Do majeur, Mi mineur. Et cette grille-là va apparaître souvent dans ce que l'on va jouer pour que ça sonne mélodique. Il faut que ça colle à la grille, les copains. Bienvenue, Seb Baboon. Comment vas-tu ? Depuis tout à l'heure, tu as laissé un comme gentil sur la vidéo de teaser. Comme le mi éolien, bah, c'est un mi mineur naturel, Mika. Pourquoi toujours donner un nom de mode à un mi naturel ? Donc là, la première séquence, ça va être un bend d'un ton à partir de la case 15. Et on va être... sur la gamme de mi mineur naturel, donc. Là, on va faire un petit trill, une petite trill avec un pull-off sur le mi case 12. Ici, là. On va mettre un petit doigt ou un annulaire sur la case 15, donc le sol. Et on va venir sur le si avec l'index, donc ça donne... Ensuite, je passe à la deuxième ligne. Vous pouvez suivre avec la tablature sur l'écran, bien sûr, ou alors que je vous fournis. Dans le pack. Donc. Attention, petite triade.
de si mineur, tierce en sol, et tonique de mi pour retomber dessus. Voilà. Ok, je vous le joue encore. D'accord. Je vous le joue plusieurs fois et de manière assez insistante pour que vous puissiez un petit peu mémoriser tout ça. D'accord. Ensuite, on va avoir dans la deuxième phase la première phrase qui est répétée, donc un A. Et ensuite, à un C, on va changer la deuxième phase. Donc on va avoir... Donc là, on va avoir un bend sur le mi, le la, pardon, de la case 14 de la corde de sol. Sauf qu'on va le monter, le redescendre et le remonter. Ensuite, on va glisser un majeur case 16. Pourquoi le majeur? Parce qu'on a besoin de l'index et la case 15 de la corde de si, ici même. Et on va tout laisser résonner pour vraiment avoir les intervalles de quarte et de quinte. Salut le Mat 81, ça va bien? Merci beaucoup pour ton passage au soutien ultime dans les membres, le Mat. Vous pouvez faire un don, hein, les amis, hein, pour soutenir les masters gratuits et le pack fourni que vous venez de découvrir, soit en flashant ici, soit avec le lien dans la description. Ce serait gentil. Même si c'est un bal, deux balles, c'est pas grave, c'est super cool. Et si vous pouvez pas, eh bien, pas de soucis, soyez les bienvenus quand même, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, en fait, je vous répète un petit peu la phrase en entier. Moi-même, sans que ce soit le MP3, donc numéro 1, MP3 numéro 1. Voilà, donc ça c'est la phrase numéro 1, les amis, très mélodique. Voilà, c'est très très mélodique, et je pense que c'est quand même assez plaisant, voilà, comme type de phrase. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette première phrase avant que l'on aborde du coup le principe de toute cette session? Dread qui dit « Nono, ton premier ben, tu le montes jusqu'où ?» Bah, full, donc un ton, tu dois entendre 17. Voilà. Mika dit comme quoi il n'y a pas besoin de faire compliqué pour que ce soit joli. Bah, c'est une ligne mélodique, cher Mika. Et merci au passage. Donc vous voyez un petit peu ce que j'ai voulu vous proposer avec cette master à la fois 80s et Stranger Things. C'est que sur la BO de Stranger Things, on peut en dire des choses. On peut en dire des choses. Didier me demande pas envie d'être hors sujet, mais tu règles ton delay à l'oreille en fonction du tempo. C'est pas moi qui décide, hein, c'est sur Cubase. Sur Cubase, j'ai mis qu'il y a 84 BPM, c'est la vitesse du backing track. Et mon delay s'est automatiquement calé dessus. Hein. Voilà. Si je mettais un clic. Voilà. Voilà, il s'est juste calé sur le Cubase. Là, ce que j'ai, là, c'est pas du tout une pédale, hein, c'est mon delay sur Cubase. Salut Nono, salut Papy Plop. Alex dit, ça sonne du feu de Dieu. Bah, merci, tu veux dire en termes d'harmonie ou en termes de son de l'ampli, Alex? Et c'est le delay de base, hein, de Cubase, hein. J'ai pas acheté de delay en plugin. Pas pour foutre du pognon dans un delay logiciel, hein, alors que j'ai une highlight. Donc je recommence la phrase, les copains. «
le but du jeu, c'est vraiment d'avoir l'absolue maîtrise de son son. Ok. Et là, on va écouter du coup toute seule la phrase numéro 2, qui est une harmonisation du coup de la phrase 1. Vous voyez un petit peu le truc. Donc si vous voulez jouer la phrase 1, vous lancez le MP3 2 et vous jouerez avec la phrase 2, vous voyez. Et si vous voulez faire l'inverse, vous voulez jouer la phrase 2, vous lancez le MP3 numéro 1 et vous jouez avec la phrase 1. Salut Nico! Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc là, par exemple, on va écouter la phrase 2. Vous avez remarqué en regardant la tablature que là on a quelque chose de totalement différent dans les cases, mais que le schéma évidemment reste le même puisque l'on harmonise évidemment. Sauf qu'à la fin on va faire se rejoindre les guitares parce que comme il y a des résonances, j'ai pas voulu mettre d'harmonisation parce que ça a tendance à être un peu dégueulasse. Donc on vient rejoindre ça, la première guitare aux cases 16, 15 et 17, donc tout comme la première, pour pas que ce soit trop vilain dans les résonances. Donc cette phrase-là, bah, elle sonne comme ça, toute seule. Vous voyez un petit peu le truc ? On a le même schéma, mais c'est pas forcément les mêmes doigtés, puisqu'il s'agit donc, comme je vous le dis, de l'harmonisation. Là, vous voyez cette descente. C'est une descente de Ré, donc 1. Ok. Mais cette phrase, bien entendu, prend tout son sens à partir du moment où on la joue avec la première. Donc écoutez, je vais mettre la première phrase. Vous entendez ? Voilà. Et là, je vais la jouer avec. Vous entendez quand même, quand les deux guitares se rejoignent sur les mêmes notes à la fin, ça fait un unisson. Alors évidemment, on peut imaginer toutes ces harmonisations-là d'une autre manière, avec l'unisson total par exemple, ça peut être marrant. Vous pouvez un petit peu vous amuser avec les harmonisations si vous connaissez bien votre gamme demi-mineur et vos tierces et tous vos intervalles. C'est vraiment important, mais là, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah vous jouez ce qu'il y a sur les tablatures, et puis c'est tout. Je remercie pour son don Cédric Liroux. Merci Cédric. Wow. Merci infiniment Cédric, c'est gentil, ça soutient le travail des masters gratuites. Et Alex a l'air de kiffer, Guillaume Gilles aussi. Putain, c'est trop bien. Diantre, que c'est agréable à jouer. Merci Nico qui dit le son est vraiment top, la mélodie excellente. Bah merci beaucoup, j'ai voulu rendre hommage à Stranger Things et c'est pour ça que j'ai appelé cette master les Stranger Leaks. Vous comprenez un petit peu la direction que j'ai voulu prendre, quelque chose d'amusant, quelque chose qui concerne tout le monde, que tout le monde peut jouer, relativement facile et surtout sur la bande son de Stranger Things. Stranger Things, je t'aime, série. Hein? Je t'aime, série. Fais plus d'épisodes. Merci. Ouais, je suis sur le joyau, Dime. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et du coup, si vous voulez jouer la mélodie numéro 1, eh bien, vous pouvez tout simplement lancer
Eh bien, le MP3 numéro 2 pour la jouer. Vous avez compris le principe. Et là, on peut s'amuser. Et bien, du coup, c'est quel est l'intérêt de jouer des phrases harmonisées? C'est que ça force à avoir un placement rythmique absolument identique. On a perdu Suzy Nono. Non, non, Dusty Poulet, t'inquiète. Et j'ai vu ton appel pour un highlight, Dusty Poulet. Du coup, vous voyez un petit peu. Et là, je vous conseille, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont parmi nous ce soir, allez la voir. La série, c'est une obligation. Parce que c'est une série qui est bien, mais c'est même pas qu'elle est bien, c'est que c'est un cri d'amour aux années 80, c'est un cri du cœur aux années 80, c'est tout simplement une merveille, c'est à la fois une série d'horreur, une série de suspense, une série fantastique, fantastique dans tous les sens du terme. Alors évidemment, je sais pas si j'ai besoin de le préciser ou pas, j'ai absolument pas du tout été payé par Netflix. Netflix, ils en ont rien à foutre de ma gueule, ils savent même pas que j'existe. Donc tant mieux, je peux dire ce que je veux sur le reste de leur série qui, pour la majorité, pue la merde. Faut être très honnête aussi. Mais Stranger Things, c'est pas la même cuisine. Stranger Things, c'est bien. Stranger Things, c'est super top et c'est exactement ce que je ressens en termes d'années 80 avec... Petite parenthèse, pour ceux qui ont vu la saison 4, en tout cas la première partie, avec Nina. Mais c'est quoi Nina? Bah Nina, c'est tout simplement le caisson d'Akira. Évidemment que tout ça s'appuise. Évidemment, dans tout ça, 11, c'est quoi? Bah c'est Akira, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement génial que j'adore déguster. Et je me la suis refait 3-4 fois, voilà, cette série. Donc voilà. Donc je ne dis rien à part ça. Donc, les copains, des petits dons à remercier, comme c'est gentil, les amis, avec notamment, Mister Laurent La Folie, merci beaucoup Laurent, merci à toi, c'est trop gentil. Wow. Et Mika, merci Mika. Wow. Merci cher Mika, c'est gentil comme tout, merci infiniment à toi. Donc vous voyez un petit peu, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un backing track vierge et vous avez un MP3 pour jouer à chaque fois avec l'un ou avec l'autre. Évidemment, je vous conseille de jouer les deux et de bosser les deux. Oui, Akira ou Tetsuo, hein, Nika, hein, mais, Nico, pardon. Mais on va dire c'est un Tetsuo gentil, 11. Donc là, en fait, si je joue la première avec la première phrase, l'harmonisation, ça donne ça. Et si je fais l'inverse, si je joue la ligne numéro 1 avec la ligne numéro 2, voilà ce que ça donne. Donc vous avez la possibilité de bosser les deux phrases, les copains, l'une après l'autre, alternativement, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'a bien plu de vous préparer pour ce soir, les amis. Alors qu'avant d'entamer la phrase numéro 3, il est déjà temps d'un cadeau Savarez. Eh bien, en cadeau, les copains, vous pouvez gagner un pack. Vous pouvez gagner un pack de ma proposition, voilà, de mon cru, voilà. Quand je vous dis de ma proposition, ça veut dire que du coup j'ai une liste de 9 packs. Je suis en train de préparer le 10e qui parlera et qui vous fera bosser le style rythmique et solo de Metallica, les copains. Voilà.
Nico dit c'est plus fort encore que le Kavinsky. Bah merci Nico, c'est gentil. Surtout bah ces phrases sont de ma petite composition entre guillemets, donc ça fait très plaisir. Donc les copains, il est temps de gagner un pack. Et du coup, je vais vous poser une petite question. Voilà, allez, je me fais plaisir. Ceux qui auront vu la série peuvent répondre, voilà. Dans le chat, s'il vous plaît, je voudrais le prénom de la copine de... comment s'appelle-t-elle ? La sœur de... Ah ! La sœur de Mike, là, comment elle s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire ! Nancy, voilà. Je voudrais le prénom de la copine de Nancy qui est morte dans la première saison, s'il vous plaît. Allez, dans le chat, le prénom de la copine de Nancy qui est morte dans la première saison et je tirerai au sort pour un pack Savarez. Vous êtes cons, les mecs. Vous êtes vraiment cons, sans déconner. Bon, évidemment, hein, à partir du moment où on en voit 5-6, c'est pas grave, hein. Bernadette. La, La Rousseau. La Rousseau. Putain, mais Olivier, mais c'est pas vrai, quoi. La Rousseau. Bye bye, Guillaume Gilles. Oui, le mat. Alors, pas la peine de répéter 50 fois le prénom. Les amis, j'ai vu. Allez, stop. Au sort, allez, bim, 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 au sort. Pierre Belker. Pierre Belker, ici présent. Pierre, tu as gagné un pack de la part de Savarez, cher Pierre. Envoie-moi un message sur Facebook ou un mail sur neogeofanatique@hotmail.fr, Pierre Belker, pour gagner ton pack et me dire celui que tu veux. Voilà. Bien joué, Pierre. Ben, pas de souci, Pierre. Tu vas sur mon site, neogeofanatique.fr. Tu vas dans mes packs. Même si un message d'alerte, t'y vas. Hein. C'est parce que, du coup, j'ai été attaqué dernièrement, ce qui m'a forcé à changer de site, mais pas de nom de domaine. Donc, le Google continue de prévenir que c'est un site frauduleux, mais c'est pas le cas. Vous pouvez y aller quand même. Donc, Pierre Belker, t'as gagné un pack, cher Pierre. Voilà. Donc, tu viens me trouver par mail et tu me dis celui que tu veux. Donc voilà, c'était le premier cadeau time de la part de Savarez, les amis. Merci pour son don à Alex. Ben merci, mon Alex. C'est très, très gentil. Tu vas avoir ton... Waouh ! Waouh ! Merci, Alex. Et merci à Antoine. Merci, Antoine. Waouh ! Merci, Antoine. C'est très, très gentil à toi. Merci beaucoup. Hop. Barbara Gourde, Chris. Ok Pierre, bah tu viens me MP sur Facebook, tu choisis un pack et puis je te l'offrirai sans aucun souci après la session ou au pire demain matin quand je serai réveillé. Je sais pas comment dire autrement. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, je t'offrirai ton pack sans souci. Alors, exemple numéro 3, les copains. Là, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu rythmique. Coucou Clem, comment ça va ? Un truc un petit peu rythmique, les amis. Et aussi pour faire un clin d'œil à un copain ce soir, les amis. C'est parti, on écoute la phrase. Voilà les copains, là on est face à une petite phrase, comme pourrait l'être. Une phrase un petit peu entêtante, coucou Saïglad, super pour ta petite, c'est trop mignon. On est face à une phrase rythmique que je vous propose de jouer uniquement avec des couverts le bas, avec des downstrokes,
si vous voulez, pour entraîner un petit peu votre main droite aussi. C'est pas parce qu'on joue en solo que l'on est obligé, eh bien, de jouer uniquement en aller-retour, en sweeping ou je sais pas quoi. On est dans The Downstroke, et même si Nico trouve, coucou Laurent, une ressemblance avec le style de Patrick Ronda, eh ben je vous propose de jouer vers le bas. C'est un vrai entraînement. Oui, Olivier, avec la Rousseau, c'était vraiment une chose étrange des années 80. J'en conviens. Voilà. Et du coup, cette phrase-là, les amis, eh bien, elle a ce visuel et surtout cette endurance. Nimika dit que c'est plus percutant en downstroke. Oui, tout à fait. Coucou Guillaume Vidalinque. C'est que ta 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 ta. On peut finir par un mi case 9 de la corde de sol, évidemment. Et là, vous voyez, comme vous venez de le voir, je le fais tout en downstroke, et vraiment, il y a un côté très percutant. Voilà. C'est vraiment percutant. Oui, Ben, c'est vers le bas, tout à fait. Et Didier dit « Trop beau le palm mute ». Alors, je trouve qu'il est joli, parce que justement, il est dans les notes un peu aiguës. Et... Voilà, donc là en fait, qu'est-ce qui va être ça va être quoi le bail? Eh bien, en fin de compte, je vous propose de ne pas le muter que les mi, case 9. Les mi, bien entendu, qui sont les toniques de tonalité. Évidemment, on appuie sur la tonalité. Et du coup, on est avec uniquement des mi mutés. Vous devez lâcher le muting à la main droite quand vous faites les autres notes. Donc lentement, ça donne. Regardez, je soulève la main. Et du coup, essayez de bien soigner, si vous voulez, cette articulation, parce que si vous mutez tout, c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout la même expressivité, expressivité, les amis. Et du coup, on perd un petit peu d'intelligibilité et d'impact dans la phrase. Donc ça vaut aussi pour faire un bon exercice, bien entendu, pour votre main droite. Je lis la couleur de la Kramer, dit Cerber. Merci beaucoup, c'est une Kramer à 170 balles. Le Pimp My Grat en live de cette Kramer, je l'ai pimpé en direct, est disponible sur ma chaîne. Donc là, lentement, ça donne ça. Mika dit « Mon annulaire et mon majeur sont jaloux, veulent se voler la place. » Alors du coup, index sur le mi, petit doigt sur le si, le majeur sur le la, et là avec annulaire et petit doigt. Parce que ce sont deux doigts qui sont difficiles à travailler, coucou Nelly. Voilà, et ça avec l'endurance de la phrase, c'est pas si simple. À part un petit pain à la fin, vous voyez, c'est pas évident, hein, on se plante même quand on est concentré. Et comme dit Mika, ouais, faut arriver à les délier, voilà. Et bien entendu, les copains, qui dit phrase principale, dit
harmonisation, les amis. On va écouter l'harmonisation toute seule de cette phrase-là et ensuite on va les assembler. Et oui, Alex, le plus dur, c'est l'endurance. Voilà, vous voyez cette phrase-là. Alors, la fin de la phrase. On vient se mettre sur la case 16, donc, qui est un si, pour harmoniser avec le mi. Sauf qu'on vient harmoniser à la quinte, et pas à la tierce. Parce que la quinte, selon mon oreille, constitue une résolution beaucoup plus efficace quand on harmonise que la tierce. Voilà. Seulement sur la dernière note et le dernier point. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, cette phrase 4, je vais vous l'expliquer juste après, mais du coup, je vais jouer la phrase 3 avec, pour vous donner une idée de la gueule que ça a. Voilà, vous entendez un petit peu l'efficacité que ça a. On est face à un mur de notes, comme je vous le dis, du type... Voilà. Vous voyez, donc ça, en fin de compte, on a un mur de notes qui constitue, si vous voulez, quelque chose d'entêtant. Et comme la grille change derrière, ça a une autre saveur et une saveur délicieuse. Merci Gildas pour ton don, c'est super gentil à toi. Merci Gildas. Wow. Merci beaucoup. Nico qui dit, c'est le kiff total ce soir. Bah oui, écoute, je me suis fait plaisir. Une série que j'adore, un style de musique que j'adore, Retrowave, Synthwave. Les amis, je me suis fait un plaisir. Voilà, je vous l'avoue, je vous le cache pas. C'est pour ça que j'ai essayé de soigner particulièrement le contenu de ce soir. Donc cette phrase 4, parlons-en un peu. Dans le sens où, comme vous l'avez compris, maintenant on va reprendre le même schéma. Évidemment, c'est une harmonisation. Sauf que là, on va le jouer, eh bien, avec une basse de sol. Avec du coup un ré et un do au petit doigt et au majeur. Et ensuite, je continue d'utiliser annulaire et petit doigt pour les cases 14 et 16. Ok ? Ce riff, j'en ai marre, l'aime bien. Fred dit que cette rythmique est hypnotique. Eh ben, les copains, figurez-vous que vous risquez d'entendre ce plan-là demain sur ma chaîne et sur celle d'un copain qui s'appelle Tanguy Kerleroux. Tanguy Kerleroux est un gratteux que j'ai rencontré grâce à Steph Elena, tout simplement, qui a fait une pédale qui s'appelle la TK. Et avec Tanguy, on s'est très vite bien entendu. On s'est très vite, très bien entendu. Et je lui fais un coucou ce soir à mon pote Tanguy, parce que du coup, demain, on met en ligne notre deuxième guitare battle va renfermer une harmonisation à deux de ce lick-là. Ce lick-là appartient à Tanguy, les amis. Je lui ai piqué dans sa partie guitare de la guitare battle de demain. C'est un super copain. Et c'est tellement un super copain, les amis, qu'on a décidé de commencer à donner de la master ensemble. Waouh ! Regardez-moi ça, les amis ! Un contenu totalement inédit. Voilà. Un contenu totalement inédit pour une master. Tanguy et moi, à Paris, le 10 septembre, les copains. Tanguy se lance dans la master. Voilà, il se lance dans la masterclass. Et à ce titre, il m'a invité à faire une master avec lui. On est au HF Music Studio dans le 14e à Paris, les copains, pour 20 places à 50€ la place pendant 5 heures de 14h à 19h. Et on va parler du jeu solo à la guitare d'une manière un peu générale avec des licks, de la technique,
de l'improvisation et plein de choses pour fertiliser votre jeu pour tous les niveaux, les copains. Tous les niveaux. Absolument aucune crainte à avoir sur le niveau requis dans cette masterclass. Si vous voulez vous inscrire, les copains, et booster votre niveau en solo, quel que soit votre niveau, voilà. Eh bien, vous pouvez envoyer un mail à tanguycurlerouband@gmail.com. Et non, ce n'est pas moi qui gère cette master, les copains, c'est Tanguy lui-même. Tanguy Kerlerou X. Ah, ça se finit par un X, son blaze, j'y peux rien. tanguycurlerouband@gmail.com, les amis. Dans un premier temps, on essaye à Paris. Et puis après, pourquoi ne pas aller la balader à gauche à droite en France, cette master-là, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes copains Patrick Ronda, Pascal Vigny et même Christophe Godin. Faudra qu'avec Christophe, on en refasse une. Bientôt, il n'y a pas de raison. Donc, tanguycurlerouband@gmail.com, les copains, pour vous inscrire à la master de Tanguy et de moi-même à Paris le 10 septembre. Et je suis absolument ravi d'entamer des masters avec l'ami Tanguy. Donc Nico, pour t'inscrire, tu envoies un mail. Je remontre. Notez bien, tanguycurlerouband@gmail.com, les copains. Voilà. tanguycurlerouband@gmail.com, les amis. Après, très honnêtement, je pense qu'on s'entend tellement bien avec Tanguy que on pourra prendre les inscriptions lui et moi. Voilà. Voilà, tout simplement. Ah ouais, Chris, il commence à être un habitué du HF Music Studio. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et oui, je vais bouger, les copains. Vous imaginez pas à quel point je vais bouger en juillet. Je vous en parle juste après, les amis. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette petite phrase? Du coup, je termine mes explications. Là, je fais avec annulaire et petit doigt, les amis, pour cette harmonisation de la phrase 3. Voilà. Donc, je vais vous jouer cette harmonisation avec la phrase principale. Voilà, écoutez. Oh, attendez, je me suis trompé de touche sur Cubase. Je joue pas exprès pour bien vous montrer que c'est moi. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je vous ai montré avec des petites interruptions que c'était bien moi, que c'était pas entre guillemets chiqué. Mais là je le refais pour de vrai avec la vraie endurance. Voilà, donc ça, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner tranquillement avec ces deux phrases-là. Et Spline me dit « Salut, nos chouettes thèmes de master ». Bah merci, c'est avec Tanguy qu'on s'est amusé. Et puis de toute façon, les amis, avec Tanguy, il y a un très, très gros truc qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Voilà. Quand je vous dis un très, très gros, c'est un très, très gros truc. Donc on continue. Pour Dread Spiritify, ça passe? Eh ben écoute, nickel. Chris, depuis tout à l'heure, se plaint des PV qui se tapent pour faire la route. Tu sais, mon Chris, combien il me reste de points sur mon permis? Deux. Il me reste que deux points sur mon permis. Et c'est que des excès de vitesse. À 1 ou 2 km. Prêt. J'en ai marre. L'État, laissez-moi tranquille. Voilà. Je suis pas un danger sur la route, punaise. C'est pas possible, ça. C'est toujours 1 ou 2 bornes près, moi. Eh oui, il y a un très gros truc qui va arriver avec Tanguy. Eh ben, je vais vous dire un truc.
Chris le sait. Ah, le gros enfoiré qui partage qu'avec certains followers. Bon, alors du coup, vous voyez, là, il faut toujours articuler pour laisser les notes, à part le sol, en clean. Il tease à mort, balance un truc. Bah, je vais vous balancer un truc alors si vous voulez. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc on continue, hop. bon voilà, cette petite phrase passe bien, les amis, c'est cool. Hop, phrase 4, on n'a plus grand chose à en dire, les amis. Bim, maintenant on va passer à la phrase numéro 5. Et il est temps d'un autre cadeau Savarez. Allez, cadeau time, on fait gagner un pack, les amis. Alors que je remercie pour son don. Ah bah, Chris. Merci, Chris, pour ton don, comme d'habitude. Wow. Merci, mon copain. Mais il faut pas, tu vas te ruiner à force. Je vais vraiment te coûter cher. Hop. Ah, oh, puis je peux le dire au bout d'un moment, hein, vous arrêtez pas de me tanner depuis tout à l'heure. Allez, mon projet Hard années 81, le groupe est au complet. Et à l'autre guitare, c'est Tanguy Kerleroux. Voilà. Tout simplement. Ce sera des compos perso. On a la pochette de l'album, on a le nom de l'album, on a le nom du groupe. Et on a tous les membres du groupe. À l'autre guitare, c'est Tanguy Kerleroux. Vous voulez que je vous balance un truc? Allez, un autre truc. Allez, je vous balance. À la basse, ce sera Franck Hermani, d'Adagio. Voilà, allez, j'arrête de parler. Ce sera que de la compo perso, et puis dans le style hard années 80, en plein. Voilà. Tout simplement. Et à la basse, Franck Armani, c'est pas la dernière des couilles. Voilà. Ouais, ça va chier. Ça va bien chier. Alors du coup, la phrase 5, les amis, avant du coup le cadeau time, faut que je me repère. Allez, petite question. Et bien sûr, on va tourner avec ce groupe-là. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr qu'on va tourner. On va faire un album. Soit ça va être un album, soit ça va être un EP. Je sais pas, mais oui, ça c'est clair. C'est clair. Franck Armani, voilà, bassiste d'Adagio, de Patrick Ronda, entre autres. Voilà. Kerleroux, qui joue sa mère, hein, si je puis dire. Donc, ça va le faire. Voilà. Les copains, questions. Allez, on répond dans le chat, les amis. Petite question. Comment s'appelle le méchant de la saison 4? Ce sera chanté, hein, bien sûr, ce projet-là. Il n'y aura pas d'instru. Ce ne sera pas instrumental, ce sera chanté. Comment s'appelle le méchant de la saison 4? Ben merci, les copains, c'est gentil. Ah, Nelly a répondu. Allez, Scrunch, Olivier, Philippe, Antoine... Voilà, bah maintenant, c'est plus un secret, hein. C'est pas vraiment du spoil, hein. De Funès, mais... Putain, mais Didier, mais n'importe quoi, mais tu m'éclates, quoi. Yeah, tip top, les amis. Allez, encore quelques instants. We'll be right back.
Vincent. Mais n'importe quoi. De funesse. Ah putain, mais... Ah mais qu'est-ce que vous disiez... Qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez comme bullshit, c'est pas possible. N'importe quoi. Bon, on a bien compris que c'était Vecna. Hein. Didier parfait aux réponses imparfaites. C'est très joli, Mika. Bien, ouais. Mais par contre, j'en ai marre qui a commencé la série cette semaine. T'inquiète pas, on va rien spoiler. Il n'y a pas de problème. Donc, Vecna, et je vais tirer au sort parmi les Vecna, et je désigne Seb Baboun. Voilà. Seb Baboun, très cher Seb. Eh bien, tu as gagné un pack de la part de Savarez. Fais ton choix sur mon site, cher Seb, et reviens vers moi eh bien, pour me dire quel est ton choix. Bien joué, Seb, t'as gagné un pack. Voilà, bien, ouais. Voilà. Voilà, Seb. Bah, Seb, c'est bien. Hein. C'est à ça qu'on voit que j'ai mon âge. Mon Dieu. Voilà, Seb, t'as gagné un pack. Bien, ouais. Chris, est-ce que tu peux je me permets de supprimer ton com, mon Chris, parce qu'il contient un spoil. Excuse-moi, Chris, et tu fais la bise à Axel. La grosse bise, mon Axel. Mais je me suis permis de supprimer ton com, mon Chris, le prends pas mal, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait un énorme, gigantesque spoil. Voilà. Eh ben voilà. Seb, tu as gagné un pack, donc de la part de Savarez, et puis bon, bah, de Vecna. Comme quoi, il est pas si méchant que ça, ce très cher Vecna. Hop! Donc, les amis, la phrase 5. Allez, on continue la master. J'espère que je vous ennuie pas, les amis. N'hésitez pas à faire un don. Hein. N'hésitez pas surtout à faire un don avec ce flashcode ou avec le lien dans la description, les copains. Voilà, c'est totalement bienvenu, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Chris, t'inquiète pas, je l'ai fait avant que tout le monde le lise. Et là, du coup, j'ai choisi de vous montrer des petites triades en arpège. Voilà, et on écoute la phrase numéro 5, les copains. Une jolie petite phrase qui contient donc des triades montantes, si je puis dire, ascendantes en arpège. Et on va très vite comprendre pourquoi. On a vu que la grille, c'était Do majeur. On va voir Do majeur 7. Et Mi mineur, ou alors Mi mineur 7. Voilà. Et là, du coup, on va avoir... Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un Do majeur. Didier qui dit « Seb, c'est bien, t'es pire que moi ». Oui, Didier, désolé. Ah, Mika qui dit que pour lui, c'est good, ce genre de triade. Bien, fantastique. Fantastique. Ah, ma femme m'envoie un message pour me dire qu'elle va coucher ma petite fille. Donc, je vais baisser d'un ton. Parfait. Donc je baisse d'un ton, les amis, et je vais essayer de ne pas brailler. Donc voilà, ce sont des petites triades montantes, et du coup, il faut essayer de comprendre d'où elles viennent. Là, en l'occurrence, eh bien, il s'agit d'une triade de Do majeur, parce que là, nous avons l'accord de Do majeur, forme de Mi. Et du coup, on extrait... Une triade de Do majeur avec une basse avec le Do case 10 corde de Ré. On va chatter moins fort, dit Sem. Eh oui, ma petite fille de... Elle a bientôt 10 mois, ma petite fille. Elle va au dodo. Donc il faut que je parle moins fort pour ma petite loupiote. Donc là, en fait, du coup, une triade de Do majeur. Avec, du coup, une seconde, une tierce et une quarte. «
on atterrit quand même sur un mi, voilà, pour rappeler la tonalité. Bah merci Nico. Ah Nico, toi tu modes, tu kiffes vraiment. Coucou Miss Pat, bienvenue dans les membres. Ah oui, bah oui, là on est dans l'ambiance les copains. Est-ce que vous avez envie que je vous parle de Vecna? Sachez que sa vie n'a pas été simple. Bon, n'importe quoi. Donc là, en fait, les copains, on est vraiment sur des triades majeures et mineures, dans le sens où là, on va avoir le Do. Ok, et là, on va avoir le Mi. Là, on est censé être sur le Do, sur deux mesures. Et là, ensuite, on est sur le Mi mineur. Petite ligne mélodique. Là, alors qu'on est sur le Mi, la case 3, on est sur une septième. Donc là, en fin de compte, le fait d'avoir cette case 3 qui est un Ré sur l'accord de Mi mineur, eh bien ça fait que c'est une septième mineure. C'est pour ça que ça va bien dessus. Ah bah oui, M83, Kavinsky, Miami... Bah ouais, Nico, mais c'est tellement bon ça. Deuxième partie de la phrase, les amis. Avec du coup, le retour... Vous avez vu des petites notes mortes ici pour tout simplement rythmifier un petit peu. Vous voyez ? Donc ça, je vais le jouer devant vous. Hop là ! Tac. C'est pas compliqué et c'est très très efficace, comme d'habitude, dans tout ce qui est un petit peu mélodique de cette année-là. On n'a pas besoin forcément de faire 75 effets de jeu. Enfin, moi, si je devais vraiment essayer de faire une improvisation extrêmement mélodique sur ce backing track, j'irais pas vite. Ou alors très rarement. Par exemple, je sais pas moi. Vous voyez en fait plutôt le côté très mélodique de la chose et les bends qui durent et dont je décide de déclencher la vibration longtemps après leur sommet. Donc ça, c'est franchement quelque chose que j'adore, par exemple ce genre de bend là. Pas besoin de faire rapide pour faire joli. Évidemment, de temps en temps, c'est très grisant, mais il faut, je pense, avoir un dosage. Et là, ce soir, j'ai vraiment voulu vous proposer quelque chose de très, très mélodique. Voilà. Le travail des bends, le travail de la sensibilité, de la gestion du vibrato aussi. C'est quelque chose qu'il faut essayer
de doser, en fait. La musique et l'improvisation et le solo, d'une manière générale, c'est un dosage. Alex dit, c'est trop top, et en plus, je comprends ce que tu dis grâce à tes cours pédagogiques. Bah, merci, Alex, c'est gentil. Le putain de vibré, je suis accro. Bah, c'est très gentil, merci, Didier. Voilà. Allez, un autre exemple. Voilà. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment, vraiment essayer de sentir les choses sans forcément se grouiller et bien connaître sa gamme et avoir des bons points de chute. Je remercie Mika Peruzzotti pour son don. Merci beaucoup, Mika. C'est très gentil. Wow. Merci infiniment à toi. C'est super sympa. Bah, en tout cas, si ça vous plaît, c'est cool, les amis. C'est génial. Donc je vous rejoue cette phrase à nouveau pour bien qu'on s'imprègne. J'ai rajouté 2-3 slides pour essayer de saler ou de poivrer un petit peu l'expressivité. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, ce genre de truc-là. Évidemment, écoutons donc maintenant, les amis, la... Hop, je retourne sur mon... Sur, je vais y arriver. OBS. Eh bien, l'harmonisation, donc 6A, c'est parti. Voilà, alors autant les notes s'harmonisent, autant du coup, comme c'est le cas ici, des accords s'harmonisent aussi. Voilà, donc là où à la place de... Et ben on va avoir... Du coup là au début, en harmonisation eh bien, du Do, on va avoir un début d'arpège de Mi. Bah c'est très gentil, pour ceux qui sont arrivés après que je l'ai dit, je rappelle que donc je suis avec une Kramer Barretta à 170 balles, un micro Miami 80, quand même, voilà, et mon Joyo Jackman 2, qui est ici derrière ma tronche. Voilà, ici, là. Je rentre dans un Torpedo Captor X, avec une simulation de 412 en V30, que j'ai pas acheté, hein, qui était de base dans le Torpedo, et je rentre dans ma carte son, et point. Voilà, apparemment, le son a l'air de vous plaire, donc j'en suis ravi. Eh, hey, coucou Tanguy. Bon, Tanguy, ça va, mon pote? Bon, j'ai balancé l'info, hein, comme quoi t'étais l'autre gratteux de notre nouveau groupe. J'ai balancé. Je suis désolé, on m'a menacé d'un saucisson moisi. En même temps, un saucisson, c'est toujours moisi avec le salpêtre qu'il y a autour. Je t'ai fait un coucou tout à l'heure, mon poteau Tanguy, et puis du coup, j'ai teasé notre master. Comme j'ai dit tout à l'heure, schlack! Le 10 septembre, les copains, Tanguy et moi-même, on balance la patate à Paname avec du coup des licks, de la technique, de l'impro pour tous les niveaux, pour s'exprimer avec une guitare, un petit peu, faut l'avouer aussi, dans le style qu'on aime, c'est-à-dire tout ce qui est mélodique, hard rock mélodique, années 80, AOR même. Et du coup,
Eh ben, on sera ravis de vous accueillir à cette master. Regardez comme on est beau. Enfin, surtout lui, hein. Enfoiré, hein. Il a le style. Ouais, j'ai balancé l'info, Tanguy, j'ai balancé. Et j'ai aussi balancé que c'était Hermani, notre bassiste. Ça chie un petit peu les bulles, si tu veux. Donc, hop, autre phrase. Alors, celle-là, je vais la jouer, du coup, avec la mélodie principale, les copains. C'est parti. Voyez comme c'est efficace avec ces petites triades qui sont ascendantes et ça le fait vraiment vraiment grave. On est vraiment dans la mélodie des accords, des arpèges et de tout ce qui va bien. Ah oui, Chris, c'est de ce type poulet. Donc là, en fait, voilà, on n'a pas beaucoup de difficultés sur cette phrase-là. Donc la phrase 6B. Donc là, on va avoir aussi des notes mortes. Mais je reste sur le si qui donc constitue la quinte de la note de mi. Je préfère cette résolution en quinte plutôt qu'une résolution en tierce mineure. Parce que ça fait moins obvious, vous voyez. On n'est pas tout le temps obligé de suivre la tierce. Quand on harmonise à la tierce, on peut terminer avec une harmonisation à la quinte. Ça, c'est plutôt cool. Ok, donc là, à l'inverse, je vais rejouer la mélodie principale. Où suis-je? Non, je vais lancer la 4. Bim, donc je mets le MP3 numéro 6 et je joue, du coup, eh bien, la mélodie numéro 5. C'est parti. Voilà. Ah oui, mon chien, à tes souhaits. À tes souhaits, mon chien. Olivier Francia, j'ai l'impression qu'une deuxième guitare joue en même temps le solo. Oh là là là, toi, t'as pas suivi depuis le départ et j'ai la flemme de tout réexpliquer. Je suis désolé. Oh non, c'est le voisin. Allez, hop. Ah bah c'est gentil, Nelly. Salut Tsi, Mr. Wifras, comment ça va Tsi? Donc voilà, pas de questions sur ce 6B, les copains. On est parti. Est-ce que c'est good? Bah merci Alex, c'est pas spécifiquement le mien, c'est celui de C418. Merci infiniment. Allez, c'est encore le temps de gagner un pack, les amis, avec Savarez. Allez, on gagne encore un pack et puis le prochain cadeau, ce sera une intégrale. Pas de souci, Olivier. Le replay sera disponible et tu pourras même avoir l'occasion de laisser un petit don si tu aimes bien le contenu. Merci, Philippe Bray. Merci, mon copain Philippe. Wow. J'ai hâte de redescendre dans le sud, faire chauffer mon mostro dans le sud, cher Philippe. Merci pour ton don, c'est très gentil. C'est très gentil. Allez, on y va. Encore un petit pack à gagner, les copains. Et là, je vous pose une question. Quelle est la couleur du code d'urgence dans la bande à Mike, Dusty, Lucas et Will? Quelle est la couleur du code d'urgence? C'est plutôt facile. Pour un pack de la part de Savarez. Odile de Ray. Non, je suis le pape, j'attends ma sœur. Je me permets, les amis, de manger un petit gâteau. Voilà.
Évidemment, je mange un gâteau et mon chien, il se réveille. Ouais, celle-là, elle était facile. Pour l'instant, je remercie François Mathieu pour son don. Merci infiniment, François. Wow. Du 51 de Reims. Il faudrait que je donne une master à Reims. Ce serait bien cool. Oui, mon chien, c'est pas un chien, c'est une poubelle de table. Ben mon gâteau, c'est tout simplement des palais bretons pur beurre. Voilà. C'est con, mais c'est bon. Voilà. Bien entendu, il s'agit du code rouge. Code rouge, les amis, évidemment. Les gars, code rouge sur les talkies. Et du coup, je désigne. Allez, je ne regarde pas. Tac. Eh ben, Patiquin. Voilà, Paty, qui vient de rejoindre les membres. Paty, tu as gagné un pack de ton choix que tu peux aller choisir sur neogeofanatique.fr. Et tu viens me retrouver en message privé sur Facebook pour que je te donne le lien de ton pack, chère Patricia. Voilà. Donc, bravo à toi. Bien joué, Miss. Tu as gagné un pack de la part de Savarez. Bien joué à toi. Mais je t'en prie, c'est très, très gentil d'être présente ce soir. Et donc, tu as gagné un pack de ton choix. Voilà. Merci à Aurélien. Merci à Aurélien pour son don. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup à toi, cher Aurélien. C'est très gentil. Donc, Paty, voilà, tu as gagné un pack. Tu m'envoies un message Facebook et ce soir, après le live ou demain, je te le donne avec plaisir. C'était le cadeau time. Savarez, les amis. Oh, bah, c'est cool, un petit pack, voilà, c'est pas non plus une grosse histoire, mais ça fait plaisir, en tout cas, j'espère. Allez, on continue, les copains, avec le dernier duo de phrases qui, du coup, lorgne vraiment du côté de la mélodie et un petit peu plus facile que les autres, les copains. On écoute la phrase 7. Vraiment dans de la petite phrase sympa, mais avec quelque chose de très 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 cool, dans le sens où on va avoir un chromatisme en pull-off. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est, on va voir ce que ça donne ensemble, les copains. Alors, on va être situé à peu près en haut de manche, voilà, ou au milieu, hein, si jamais on peut dire que c'est à peu près au milieu du manche, quoi. Et du coup, on va avoir. Alors ça, ce chromatisme-là, relativement jazzy, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Et qu'est-ce que nobody, everybody? Très, très bien. Nobo, pourquoi Nobo? Ah, parce que Patricia, elle s'est trompée. Mais merci, Nobo. Ouais. C'est si Nobo, le petit robot. L'ami d'Ulysse. Bon. Et du coup, on va avoir un chromatisme. Alors, un chromatisme, c'est tout simplement le fait de jouer, eh bien, toutes les notes, demi-ton par demi-ton. Bah, pas de souci, Ben. Pas de souci. Donc, alors, petit slide. On vient
déjà sur le 6-case-4. Et là, voilà, moi, je vous conseille de déposer le petit doigt sur la case 7 et d'avoir tous les doigts d'avance sur les autres cases. Vous grattez et vous faites des pull-off. Et vous vibrez tout simplement l'index. Ça, c'est super stylé, ce genre de truc, parce que ça donne un côté très, très jazzy. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui sonne. Et oui, ça donne une autre sonorité, comme le dit Miss Nelly, de faire un pull-off. Plusieurs pull-offs qui, entre guillemets, sont des fausses notes, mais un chromatisme, c'est toujours sympa. Quand on passe sur les notes, il n'y a plus véritablement de notion de fausseté ou de justesse. Voilà, ça peut vraiment être très intéressant pour ce genre de texture, les copains. Et évidemment, je vais détailler chacune des phrases. Donc là, on a un slide qui vient de nowhere. Ça s'appelle un slide from nowhere. Oups. Vous pouvez le faire très profond. Moi, en général, je le fais de deux cases. Ça suffit. En phrase 2, on fait quelque chose de tout simple. Vous voyez ? Donc ça, c'est mélodique. C'est pas très compliqué. Et ça coûte pas très cher. Hein ? Je le rejoue. La vitesse de vos pull-off, vous pouvez la décider vous-même. Vous pouvez la faire plutôt lente. Ou alors plutôt rapide. Voilà, ça c'est très très joli. Attention à ne pas la faire trop lente non plus, parce que si on fait une vitesse trop lente, on appuie trop sur les fausses notes et ça devient un peu tendu. C'est particulièrement délicat en fait. Mais je vous conseille vraiment de mettre les quatre doigts et ça peut être très utile pour justement avoir une souplesse. Souplesse au niveau de la main gauche. Donc, je vous rejoue la phrase. Tellement lent comme phrase qu'on peut rajouter quelques petits effets. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai rajouté là ? J'ai touché l'harmonique à la 12e case de la case 9. Donc ça fait, eh bien, 19. Non, 21. Je dis des bêtises. Voilà. Alors, dans Spiritify, tu peux tricher en utilisant de l'annulaire pour faire tes pull-offs et tu slides pour finir. Oui, tu crois pas si bien dire, Dread Spiritify, puisque dans la deuxième phrase, cher ami, eh bien, nous avons une harmonisation, mais harmoniser un chromatisme, c'est très compliqué. Parce que comme il est faux, il n'y a pas de juste harmonisation. Donc, on bricole un pattern dans lequel on a un chromatisme de 11 à 9 et ensuite on glisse jusqu'à 7. Ça donne ça. Oups. Et c'est imperceptible parce que quand
On écoute les deux ensemble. Dread Spiritify t'est tombé dans le mille. Ça donne ça. Ça donne tellement envie de s'envoler à la gratte, ce genre de truc-là. Franchement, cette ambiance-là, moi, je peux écouter ça pendant des heures. Donc vous entendez le fait qu'il y ait un chromatisme ici, de case en case, et un ici partiel avec un slide d'un ton à la fin, ça ne change rien. Donc Dread, oui, tu peux le faire comme ça. Alors que mon chien se lèche généreusement le cul, en direct. Voilà, c'est comme ça. Mon chien se pompe le fion, mais alors, je l'entends là, à côté. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de marcher sur un steak. J'entends... Akira, on arrête. C'est quand même... Enfin, t'es quand même en direct devant des dizaines de personnes, mon chien. Sans déconner. Et toi, t'es en train de te languer le cul, quoi. Sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Quel mauvais maître va l'aider? Antoine, n'importe quoi. N'importe quoi. Faut pas que je me barre trop fort parce que ma petite elle dort. Mais... Lui est en train de se bouffer le cul comme si c'était une quiche Lorraine, quoi, ça. Attendez, j'enlève deux secondes ce putain de code là qui nous fait chier là. Regarde. Il fait son innocent alors qu'il se défend et qu'il se délecte de son anus. Ah non, 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 c'est pas l'heure de jouer, mon chien. Ton anus ? Fais voir ton anus, mon doudou. C'est pas l'heure de jouer, mon doudou. Regardez. Il veut jouer. Ah bah non, mon chien, c'est pas l'heure de jouer. Il est mignon, ce chien. À part qu'il se délecte de son cul. Bref. Alors du coup, les copains, eh bien, ce chromatisme-là, on peut l'aborder de plusieurs façons. Donc, avec le petit doigt ou pas, Dread Spiritify, tu n'as pas de souci à te faire, si tu veux. Non, non, le jouet fait pas pouic-pouic, Mika. À chacun sa gratte, dit Thierry. Tout à fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah bah, évidemment, oui. Ah, mon petit Akira. C'est mon petit chien, ça. Donc voilà. Après, à vous de voir si vous voulez bosser le petit doigt. Ça peut vous rendre des services. Voilà. Tous les solos peuvent se jouer à la suite, donc sur le remix de C418 qui est disponible pardon, sur YouTube. Quelle dextérité, dit Yannick. Bah non, bah après c'est du legato. Que ce soit en slide. Ou avec tous les doigts, il faut que ce soit à peu près cohérent. Donc voilà, je vais vous la jouer cette phrase-là avec l'harmonisation de la case de numéro 8. Je vais y arriver donc, qui est ici. Donc ça. Attendez, il faut que je... Voilà. Allez. Mmh.
Donc ça, c'est plutôt classe. Et l'harmonisation, bah, elle est pas beaucoup plus compliquée. Mais vous slidez à l'index. Donc 11, 10, 9. Et vous slidez à l'index. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Je remercie. Ah, oh, Flo. Coucou, ma Flo. Ça va bien? J'ai vu que vous étiez au concert de Jerry Cantrell. Wow. Merci, Fred et Flo. Vous êtes gentils comme tous, les copains. Merci beaucoup. C'est adorable. Donc, vous avez l'air d'avoir kiffé Jerry Cantrell, les amis. C'est fort bien. Je pense qu'il est temps de l'ultimate cadeau. Savarez avec une intégrale, les copains. Voilà, une intégrale. L'intégrale de ce soir, les amis, pour clore cette masterclass qui fait, qui va presque faire 2 heures, une fois que j'aurai terminé de vous parler. Quelle question je vais bien pouvoir vous poser? Quelle question je vais bien pouvoir vous poser pour gagner l'intégrale et pour être tiré au sort? Allez. Dans la saison 4, un certain personnage possède une veste à patch. Quelle dorsale on voit sur sa veste? Eh oui, un dorsal, c'est dans le dos, donc bien évidemment. Ben, merci Flo, c'est gentil. Allez. Quel groupe est en dorsale sur la veste à patch? Je vérifie parce que des fois je me plante quand même pas. Donc il s'appelle Eddie le personnage. Non, je me plante pas, c'est bien ça. Ah bah pour une intégrale, il faut quand même bien ça. Alors on voit qu'il y a des bonnes réponses, hein, évidemment. Ah oui, moi j'ai remarqué évidemment ces détails-là. Merci cher Laurent Foucault pour ton don. C'est extrêmement gentil à toi. Merci Laurent. Merci. Wow. Merci beaucoup Laurent, c'est gentil comme tout. Eh oui, c'est bien Dio. C'est bien Dio qui est en dorsale sur la veste à patch d'Eddie. Je vais rien spoiler, mais voilà, dans la saison 4, Eddie a un rôle quand même central. C'est un nouveau personnage de la saison 4. Et du coup, il y a bien Dio. Il y a bien Dio. Au vin blanc, qu'est-ce qu'il dit, Daim? Pose ta bière, Daim, pose ta bière. Donc je vais tirer au sort parmi le peu de Dio qu'il y a ici. Donc j'aurai mon curseur, et mon curseur désigne Mika Peru. Excuse-moi j'écorche ton nom, Mika, mais Mika Peru. Peru. Mika, en tout cas, tu as gagné l'intégrale de mes packs. 9 packs de la part de Savarez. Cher Mika, félicitations. Félicitations. 9 packs de quoi bosser pendant des plombes. Voilà, tout simplement. C'est un U. Bah, excuse-moi alors. Donc, Mika Peru. Et du coup, tu as gagné l'intégrale. Alors voilà, c'est sympa. Voilà, c'est coolos. Donc voilà, 9 packs pour pouvoir bosser tranquillou. Donc viens en mail ou en MP sur Facebook, cher Mika, pour que je te donne ton intégrale ce soir après le live ou bien demain, parce que je vais peut-être aller rejoindre un peu ma femme après le live, les amis.
Donc, ce sera sûrement demain matin ou peut-être tout à l'heure au détour sur mon téléphone, Mika. Et envoie-moi donc un message privé sur Facebook, sur ma page Néo-Fanatique, Néo-Géo-Fanatique, ou alors un mail à néogéofanatique.hotmail.fr. Voilà. Fred qui demande l'intégrale, c'est une épilation. Bah, ça peut t'épiler un peu le bout des doigts, ouais, les 9 packs. Voilà. Donc, cher Mika, félicitations. Wow! Non, je me suis trompé. Je voulais enlever le truc de cadeau. Donc, merci à Savarez. Donc, les cordes Savarez sur lesquelles je joue. Voilà, je joue en 9,46 et sur certaines grades, je suis déjà passé en 10,46. Voilà, un vrai tyran de patron. Voilà, un vrai tyran. Donc, merci Savarez. Et puis, les amis, eh bien, j'espère que ça vous a plu. On a 8 phrases à travailler avec donc chacune, eh bien, des paires d'harmonisation, des couples d'harmonisation, les copains. J'espère que vous avez aimé. Moi, évidemment, j'ai absolument kiffé ma race. Vous avez pas idée de comment j'ai kiffé ma race, les amis, pour, eh bien, préparer la master de ce soir. Je suis... Ah là là, franchement, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Vive Stranger Things, vive cette série. Franchement, c'est un bouillon de pop culture merveilleuse. Cette série, c'est génial. Donc voilà, c'est super top. Merci à vous les copains. J'en profite pour vous dire qu'il reste seulement 2 places. Seulement 2 petites places, les copains, pour fêter Maiden le 2 juillet à Paris, dans le 14e OHF Music Studio. Mon Chris est ici présent et il sera aussi là le 2 juillet, avec du contenu totalement inédit pour travailler le style de Dave Murray et de Adrian Smith, spécifiquement centré sur la période 1980-1988, les copains, avec un contenu inédit, tablature, backing track fourni comme ce soir, les amis, pour tous les niveaux, le style solo et rythmique des maîtres du heavy metal, le duo merveilleux Adrian Smith Dave Murray de, selon moi, la meilleure période Maiden. Avec la présence de Sully des Micro F4, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que, comme ce soir, je vais jouer avec mon kit Miami 80, qui tape en plein dans le mille du thème 1980-88, évidemment, que je vous proposerai ce jour-là, les copains. Donc, l'ami Sully sera là pour présenter son travail. Il aura quelques micros sur place. Voilà, pas besoin de les commander et pas besoin surtout d'attendre, parce que comme c'est de la fabrication artisanale, eh bien, ça demande logiquement et normalement un certain temps. Et du coup, eh bien, les amis, il sera là pour parler de son travail. Il y aura, bien entendu, de la démo. Ce sera aussi soutenu par Savarez, les amis. Donc, n'hésitez pas, s'il vous reste... s'il reste 3 places, pardon, seulement. Pour... non, 2 places, qu'est-ce que j'ai dit? 3, 2. Oh, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il n'en reste pas plus que 3. Voilà. Donc, si c'est 2, c'est 2. Et du coup, je serai ravi de vous accueillir. Et l'ami Sully sera avec moi, ravi de vous accueillir pour cette master, les amis. neogeofanatique.hotmail.fr. Si vous voulez nous rejoindre, il y a 20 places. Et il y en a déjà 17 ou 18 de pourvus. Voilà, je me souviens plus à une place près. Je regarderai tout à l'heure. Évidemment, avec le copain Tanguy, qui décidément ne fait pas ses affiches en 16/9. Voilà, du coup, ça me coupe la gueule. Enfin, ça me coupe le corps, regardez, voilà, une moitié de gueule. Le 10 septembre pour un contenu aussi inédit avec l'ami Tanguy en duo. Voilà, l'Elix, la technique de solo, l'improvisation pour booster son niveau, les amis, dans la guitare. Tanguy Curler au band, @gmail.com, bien entendu. Alors que je remercie Benjamin Laurent pour son don. Merci Benjamin, merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup Benjamin, c'est super gentil. Et du coup, le 2 juillet, ce sera super cool. Je vais en parler aussi bientôt sur ma chaîne. La semaine d'après, je suis au festival Guitarald d'Hendaye, dans le Pays Basque. Je donnerai une master de 3 heures au festival Guitarald. Il y aura Patrick Ronda, il y aura Mike Stern, il y aura Matteo Mancuso, il y aura plein de beau monde à ce festival. Et moi, j'aurai le plaisir de donner
une masterclass de 3 heures à l'auditorium d'Andail. Voilà. Donc, je suis trop content. Donc, c'est dans le Pays Basque. Je vais descendre, les amis, au Pays Basque, au soleil, le 9 juillet, si je dis pas d'annerie. Donc, allez sur le site Guitarald. Oui, c'est pour ça, Nelly, vis-à-vis du cours. Pour Priva, le mat, ouais, en septembre. Je vais communiquer bientôt pour Priva en septembre. Ce sera un gros week-end aussi, Priva en septembre. Cher Matt, donc festival Guitarald d'Andail dans le Pays Basque, voilà. Donc je donnerai une master de 3 heures. C'est très gentil, Nico, merci beaucoup pour le projet. Ça va pas se faire tout de suite, mais je ferai un financement participatif, ça c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, d'en parler et d'être enjaillé de ça. Voilà. Je serai aussi du coup la semaine d'après au Guitar Camp de Patomé. En Bretagne, cette fois-ci, avec Ludo Egras de Guitare Extrême et de United Guitars, avec Pascal Vigné, avec Sully aussi de Epcat, à nouveau mon pote Sully, et Anaïs Bazoge, voilà. J'aurai le plaisir aussi de donner une masterclass en Bretagne, donc. Et du coup, ça va me faire trop plaisir de prendre la route. Voilà, tout simplement et facilement, voilà. Donc voilà les amis, encore d'autres actus que je vous dirai, notamment avec une rentrée bien chargée, parce que j'en profite tant que je suis pas encore paralysé, on va dire. Et je serais ravi de vous y voir les copains, voilà. Moi en tout cas, j'étais ravi pour ce soir de vous voir, de vous avoir les amis. Et évidemment, j'ai envie de dire, je vais vous quitter avec quelque chose de fort à propos les copains. Dans le sens où je vais vous faire un petit quelque chose pour la fin. Le temps pour moi de vous faire la bise. Et je vous dis bonne gratte et à bientôt. Bye bye. J'ai coupé le micro avant de vous dire bye bye. Bye bye les copains.